Pour cette activité, il vous faut un morceau de carton, une règle, un feutre fin noir, un porte-mine, un cutter ou des ciseaux, des crayons de couleur ou des feutres et une feuille blanche. Étape 1. Dessinez un appareil photo, puis découpez-le en respectant les contours. À l'aide de votre cutter, découpez sur la longueur les deux lignes parallèles représentant l'écran de votre appareil photo. Étape 2. Dessinez et découpez votre pellicule sur une feuille blanche. Étape 3, dessinez l'histoire de votre séquence. Étape 4, insérez votre pellicule dans les fentes de l'appareil photo. Et voilà, votre appareil photo en carton est terminé. Pour colorer du riz, il vous faut du colorant alimentaire, un sachet congélation, du riz et un plat allant au four couvert de papier aluminium. Étape 1. Versez la quantité de riz désirée dans un sachet congélation et ajoutez le colorant alimentaire de votre choix. Étape 2. Versez le riz coloré dans un plat allant au four couvert de papier aluminium. Étape 3. Enfournez le plat à 200 degrés pendant 5 minutes tout en surveillant régulièrement la cuisson du riz. Et voilà, votre riz coloré est prêt. Répétez l'opération autant de fois que souhaité. Pour réaliser votre arbre à compter, il vous faut un morceau de carton, un morceau de feuille blanche, un cutter, un porte-mine, une paire de ciseaux, de la gomme adhésive et des pastels. Étape 1. Dessinez un arbre sur un morceau de carton, puis découpez-le. Étape 2. Sur un morceau de feuille blanche, dessinez le nombre de pommes que vous souhaitez placer sur votre arbre, puis découpez-les. Étape 3. Tracez le contour de vos pommes sur votre arbre.
Étape 4. Coloriez vos pommes à l'aide de pastels. Étape 5. Coloriez maintenant votre arbre en évitant les espaces réservés aux pommes. Étape 6. Placez les opérations mathématiques correspondantes au niveau de l'enfant dans les espaces disponibles. Étape 7. À l'aide d'un feutre fin noir, écrivez le résultat de ces opérations sur les pommes et collez-leur un morceau de gomme adhésive au dos. Et voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à associer les opérations aux résultats correspondants. J'espère que ces crafts vous ont plu et vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Craft O'Clock.